Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Idées Péfoulées et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Shine. Oui, j'ai craqué sur la boutique Shine puisqu'il fallait... On a passé une petite commande de vêtements pour ma petite nénette et du coup, je me suis dit ben, pourquoi pas jeter un œil dans les DP et puis j'ai trouvé mon petit bonheur, voilà. Et le jour où j'ai commandé, en fait, il y avait une grosse réduction, donc une réduction de 35% à partir de 39 euros d'achat. Alors, j'ai craqué, je me suis permise quelques petits achats. Voilà. Donc, cette commande, je l'ai passée le 9 juillet, elle a été envoyée le 12 juillet et je l'ai réceptionnée le 20. Voilà. Donc, on va découvrir ce que j'ai sélectionné. Voilà. Alors, en premier lieu, j'ai un DP donc, qui est arrivé dans une pochette bulle. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, dans ma commande, encore une fois, j'ai eu mes toiles nickel, impeccables. Elles n'ont pas été pliées et donc j'étais super contente. Voilà. Alors, pour le premier modèle, j'ai craqué sur ce petit loup attrape-rêve. Voilà. Donc, franchement, il est trop magnifique. J'ai vu l'image et puis ça a été un coup de cœur. Voilà. Alors, voyons comment ça se présente. Je suis encore une fois partie que sur du rond, hein, parce que comme je le dis en général dans les boutiques chichi, le rond va nickel, mais le carré c'est pas toujours top. Donc, comment je peux faire pour vous montrer un peu plus la toile dans son entièreté? Voilà, c'est un attrape-rêve avec un loup au milieu, et franchement, je l'ai trouvé trop magnifique. Alors, pour la taille, je ne sais plus où est mon petit papier. Donc, j'ai pris un 50 sur 70 cm. Je vais vous le mettre comme ça, c'est mieux. Et mais là, je pense que c'est avec bord inclus. Hein. C'est pas la taille de l'illustration, mais la taille du DP avec les bords inclus. Ah, ben, en plus, c'était marqué au-dessus, voilà. Donc, c'est du rond, 50 sur 70 cm. On a la petite miniature par ici. Notre tableau de bord par là. Voilà. Et au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, c'est nickel. On a encore une fois dit la petite aide à la pose, mais là, les cercles sont pas foncés, donc ça devrait aller. Et si les diamants sont bien taillés, normalement, on ne devrait pas voir le... Comment dire, le cercle. Voilà. Ah, franchement, c'est beau. On va voir un peu plus bas. Ouais, non, l'impression, elle est bien. Il n'y a pas de souci. On va voir au niveau de la colle. Ça colle très bien. Et puis, j'ai une pensée pour une personne qui, je sais, qui aime bien les loups et les attrape-rêves. Voilà, ma belle, si tu passes par là. Donc dans ce kit là, j'avais un petit toolkit comme ceci, donc stylet en bout simple, une petite pince, une petite barquette et deux pinceaux. Voilà. Ensuite, nous avons les diamants par ici. Bon, je ne vais pas les sortir parce que il y en a énormément. Donc, mais voilà pour les couleurs. Hein. Beaucoup de bleu forcément. Du bleu et du sombre. Voilà. Et on a une petite feuille de route avec. Et ce DP là, alors je vais ranger pour pas prendre trop de temps. Ce DP là, il était au prix normalement dit de 9,56 € au moment de ma sélection sur leur site. Et vu que j'ai bénéficié 35% de réduction, il m'est revenu à 5,20 €. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais poser ça là. Hop. Ensuite, ça, c'est un DP qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Au début, pour être honnête avec vous, ça fait un peu plus d'un mois hein, que j'avais repéré ce DP.
Je me suis dit, bon, je vais peut-être le faire en personnalisé, en diamant carré, chez MT DIY Art Store. parce que, voilà, la qualité, elle est oufissime. Et puis, au final, quand j'ai vu que j'avais les 35% de réduction, je me suis dit, bah non, je vais le prendre là. Et puis, ça sera en rond. Et puis, voilà, ça va faire l'affaire aussi. Il s'agit de cette petite beauté. Oh, franchement, il est trop beau. Et comme vous voyez, ça, c'est une nouveauté. J'ai jamais vu ça à l'intérieur de la toile. Donc, c'était emballé dans un carton, les petits diamants à l'intérieur. Donc, franchement, nickel. Cette fois-ci, on est sur une taille 50 sur 50. Et ce petit stitch, franchement, les couleurs, mais juste waouh, quoi. C'est toujours du diamant rond. Voilà pour la petite miniature, j'adore. On a notre tableau DMC par ici, avec 23 couleurs. Sur l'autre toile, c'était pas écrit combien de couleurs, voilà. Au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Alors, on n'a pas de cerclage foncé, donc ça c'est nickel. Ah, franchement, je suis contente. Et on voit que... c'est les diamants qui vont former les détails, en fait. Donc, les détails vont super bien ressortir. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Et sinon, l'impression des symboles pour le bruit, ça colle très, très bien. Pas de souci de ce côté-là. Ah, j'ai oublié de vous préciser aussi. Donc, on a une charte des matières par ici et une par là, en haut, voilà. Alors, au niveau des diamants, on a toujours le petit toolkit de base, hein. Voilà. Et les diamants sont encore une fois en ribambelle, mais voilà, je me demande si c'est pas une qualité supérieure, parce que là, les sachets, ils sont nickel, ils sont top. Ouais, je sais pas. Mais les couleurs, quoi, juste waouh. Ça va être un vrai petit bonbon à faire, cette toile-ci. Depuis le temps que je me tâtais à la prendre, ben voilà, maintenant c'est chose faite. Et ça sera du diamant rond. Et puis ma foi, ça ira quand même. Et donc, cette petite toile-là, elle était au prix de... Stitch Cœur. Elle était au prix de... 10,19€ et moi je l'ai payé 5,57€. Ouais, voilà. Donc franchement, avec les prix promo, ça valait le coup, quoi. J'allais pas m'en priver non plus. Ensuite, qu'avons-nous? Ah bah oui, la deuxième stitch, forcément. Voilà. J'ai craqué pour ce petit modèle. C'est pareil, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et j'hésitais aussi à le faire en perso, en diamant carré. Et finalement, je l'ai pris en rond parce que, ben, au niveau du prix, c'était vraiment pas cher du tout. Ça valait le coup. Et puis voilà. Et je trouve que pour la taille, il est quand même pas mal grand. On voit assez bien les détails. Ah oui. Regardez-moi ça. C'est pas trop joli, ça. Le stitch en façon un petit peu Noël, hiver, comme ça, avec son petit chocolat dans les mains. Ses petites moufles, son petit bonnet, son écharpe. Mais j'ai trop aimé cette illustration, en fait. Donc, c'était pas possible que je passe à côté, tout simplement. Donc, toujours en diamant rond, col coulé. Donc, on a la petite miniature par ici. Voilà, on a la référence de la toile ainsi que sa taille, donc 50 sur 50. Avec les bords inclus, hein. Voilà, et notre tableau DMC. Donc, on voit qu'on aura 21 couleurs sur ce DP. On a une charte des matières par ici et une par ici. Voilà, on va voir au niveau des symboles. Et ben, les symboles, c'est nickel, hein. Pas grand chose à redire. Et on voit encore une fois de plus que c'est les diamants qui vont faire les contours. Donc ça, c'est nickel. On n'aura pas de... Comment ? On n'aura pas de détails cachés, en fait, par les diamants comme on peut avoir dans certaines toiles. Ah, franchement, pas dessus. Et la toile, je tiens à le préciser, elle est un peu plus raide que les autres toiles que j'ai pu avoir dans ce genre de boutique. Voilà. Donc franchement, la qualité, elle est là.
Alors cette fois-ci, c'est arrivé en sachet zip. Bravo les types. Et voilà pour les couleurs qu'on aura à peu près. Ouais, bon, pas à peu près, hein, c'est les couleurs qu'on aura. Et c'est les sachets de diamants avec le diamant dessus. Et j'ai toujours entendu dire que quand c'est les diamants dessus, sur les sachets zip, c'est que c'est des bons diamants. Voilà, donc à voir, parce que moi, en général, je connais les sachets zip avec le diamant rose fuchsia. Et là, avec les diamants noirs, je ne connais pas. Donc à voir. Voilà, pour cette toile-ci et pour ce kit-là, j'avais deux petits toolkits basiques. Voilà. Pourquoi deux, je ne sais pas. Mais voilà. Et cette fois-ci, pas de petits cartons. Et donc, je disais, ce DP Stitch hiver Noël était normalement affiché à 9,75€ et moi, je l'ai eu à 4,48€. Voilà. Donc, sur certains articles, j'ai même eu plus que 35% de réduction. Donc, franchement, contente, quoi. Ensuite, j'avais craqué pour un petit tigre. Voilà, tout coloré avec le fond noir comme on adore, bien sûr. Mais bon, on fait avec. Alors, celui-là, il s'ouvre pas comme les autres. Il s'ouvre de l'autre côté. Voilà. Désolée pour le bruit des sachets. Mais bon, j'ai pas le choix. Alors, voilà ce que donne ce petit tigre. Et franchement, j'ai aussi craqué quand j'ai vu l'image. Donc, on est sur une taille 40 sur 50 cm avec les bords inclus, hein, encore une fois. On a la référence de la toile par ici, donc sa taille. Le tableau DMC par là. On a la petite photo par ici. Et on a encore un petit tableau DMC par là en bas. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. On voit des petits cerclages, mais vraiment imprimés en très clair. Donc ça, c'est nickel, encore une fois. C'est une aide à la pose, donc c'est nickel. Voilà. Ouais, non, franchement, trop bien, quoi. Je suis tellement contente de cette commande. Ici, nous avons les couleurs en sachet ribambelle, voilà. Mais cette fois-ci, c'est pas la même ribambelle, c'est en petit sachet. Voilà. Comme on peut le voir. Et on a un petit toolkit avec, hein, de base. Je ne vais pas sortir les diamants encore une fois. Mais je pense qu'on peut voir un aperçu des couleurs vite fait quand même. Bon, forcément, beaucoup de noir pour le contour, quoi. Voilà. Et cette petite toile-là, elle était au prix de 4,75€ affiché sur le site. Et moi, je l'ai eu pour 3,21€. Donc, celle-là, celle-là était un petit peu plus chère que les autres. Enfin, plus chère dans le sens où la réduction était moindre, mais c'est pas grave. Moi, tant que ça me plaît, ben voilà, j'achète, hein. Ici, nous avons également encore un petit Stitch dans les fleurs que j'ai trouvé trop chou. Alors moi, j'adore Stitch, hein, faut le savoir. Hein, ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment le savent. Donc, on est sur du 40 sur 50 cm. Et on va voir. Et encore une fois, c'est du très coloré comme j'aime beaucoup. Hop là. Voilà, voilà ma petite toile Stitch toute choupie, mais j'adore tellement. Ah ouais, c'est beau. Donc on voit qu'on a une table des matières sur le bas par ici et une table des matières sur le haut par là avec la petite photo miniature. Voilà, et on voit qu'on aura 20 couleurs cette fois-ci. Donc elle fait bien 40 sur 50 cm avec les bords inclus, hein. On a la référence de la toile qui est la D21. Au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, c'est nickel. On a une aide à la pose, mais qui est très très claire. Des petits cerclages à la couleur qui correspond. Voilà. Donc ça, c'est nickel encore une fois. Et
Je crois qu'on peut apercevoir que c'est encore une fois les diamants qui vont faire les détails, les contours, par exemple des fleurs, le stitch et tout ça. Donc ça, c'est nickel. Donc les détails, normalement, devraient bien ressortir. Ouais. Donc c'est cool. Ça colle très bien. Pas de souci. Et encore une fois, on a des diamants ribambelle comme ça. Voilà. Je pense que c'est une qualité supérieure quand même comparé aux petits sachets ribambelle que l'on peut retrouver parfois. Oh, les couleurs. Mais les couleurs. Oh là là. C'est tout ce que j'aime. C'est l'été. C'est... Voilà. Donc ça sera fait prochainement aussi. Et on a encore une fois un petit toolkit de base. Et puis ce DP Stitch dans les fleurs, il était à 7 euros affiché sur le site. Et moi, je l'ai payé 3,31 € avec la réduction. Voilà. Et à savoir qu'à partir de 39 euros d'achat, vous avez la livraison gratuite chez Shine. Et enfin, pour terminer, je crois qu'il m'en reste un dernier. Ouais. Ah non, il me reste deux articles, voilà. Donc, pour le DP, ça sera le dernier. Voilà, j'ai choisi ce petit tigre avec ses fleurs, encore une fois. Cette fois-ci, on part plutôt dans le blanc. Donc, un tigre de Sibérie avec des jolies fleurs colorées dans mes teintes de couleurs, hein, bien évidemment, hein, dans le rose violet, quoi. Et donc, on est sur une taille. Oh, regardez-moi ça. Si c'est pas joli, je sais pas, moi. Oh là là, je fonds complètement. Ouais, j'adore les animaux, tout ce qui est félin, loup, chien. Voilà, quoi. Stitch, c'est pas vraiment un animal, mais j'adore aussi. Voilà. Que dire, franchement, la taille convient parfaitement. Parce que quand je vois l'illustration d'un peu plus loin... par rapport au recul de la vidéo, enfin de la caméra, je trouve ça juste bien, la taille elle est nickel, c'est une 40/50 encore une fois, mais avec les bords inclus, donc ça doit faire une 35/45 si je me trompe pas. Donc là on a une table des matières par ici et on voit qu'on aura je ne sais pas combien de couleurs parce que c'est pas écrit, donc 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26. On aura 26 couleurs. Ici, on a la petite photo d'identité et on a encore une table des matières sur le bas. Voilà. Donc ça, c'est pratique pour les gens en soi qui commenceraient leur toile en haut ou en bas. Ben, vous avez la charte des matières à côté. Donc ça, c'est bien. On voit qu'on a une aide à la pose encore une fois, mais avec le cerclage imprimé en très clair. Donc même si le diamant n'est pas correctement posé, on va dire, sur le rond, ou que la taille n'est pas bonne du diamant, ça se verra moindre. Voilà. L'impression des symboles, sinon, elle est nickel. Mais ouais, c'est waouh, quoi. C'est waouh. Mais j'adore. Que dire de plus, quoi. Au niveau de la colle, eh bien, ça colle très bien. Aucun souci. On a toujours un petit toolkit, voilà, qui est dedans, à l'intérieur. Et cette fois-ci, c'est des petits sachets ribambelle, voilà. Donc, je ne vais pas les ouvrir encore une fois, mais on peut se rendre compte vite fait des couleurs que l'on aura dedans, quoi. On se doute bien que beaucoup de blanc, forcément, du rose, du violet, du noir, voilà. Et cette toile-ci... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Cette toile-ci, elle était normalement dit au prix de 4,04 € et je l'ai payé 2,73 €. Alors, faut guetter régulièrement les promos sur Shine parce que moins 35% sur une commande, c'est énorme, je trouve quand même. Donc, voilà, déjà que leurs prix ne sont pas chers de base. Donc, moins 35%, c'est pas négligeable. Voilà. Mais je viens de confondre, je crois. Le tigre coloré, le tigre normal.
Non, j'ai pas confondu. Ah non, c'est bon. Et ensuite, je suis partie sur du point de croix. J'avais vu quelques vidéos sur ces petits kits-là, sur les vidéos, sur des chaînes YouTube. Et je me suis dit pourquoi pas en prendre une pour voir ce que ça donne. Alors, à savoir que c'est des toiles vraiment, mais vraiment pas chères du tout. C'est du 11 CT, c'est de l'estampé. Donc voilà, elle fera sur 28 cm sur 38 cm, et j'ai choisi le modèle du loup, forcément, hein. Et il y avait plusieurs modèles hein, dans la même catégorie. Mais alors, à savoir que dans ces kits-là, en fait, on n'a pas de patron, tout simplement. Et les copines disaient sur leur chaîne que bah déjà, c'est des bébés toiles, hein, c'est des petites, comparé à ce qu'on a à faire en général. Donc déjà, c'est du partiel. On n'a pas le tour à broder, ça c'est cool, mais on n'a pas de feuille de route. Mais les copines disaient que c'était très très bien imprimé, donc on n'avait pas de souci pour venir voir les symboles et qu'il n'y avait pas forcément besoin du patron. Donc oui. Là, à première vue, c'est ce que je vois aussi. C'est ce que je vois aussi. Donc on a notre table des matières qui est là. Voilà. Ici, on a un truc écrit en chinois, je ne comprends pas. Ici, ils nous disent bien que justement le 11 CT vient se broder en 3 brins. Hein, donc, dans un fil, on a 6 brins et on en prend 3 pour le 11 CT. Voilà, tout simplement. La toile, bon, là au-dessus, elle n'est pas surjetée parce que c'est une fin de toile, je pense. Mais sur les côtés et sur le bas, elle est surjetée. Donc pas de risque d'effilochage. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pas de toolkit, mais j'ai un petit sachet comme ça. Et c'est écrit dessus que nous avons 2 aiguilles. Voilà. Tout simplement. Alors, est-ce que je vais l'ouvrir? Oui, bah, je vais l'ouvrir, tant qu'à faire. C'est un petit papier replié et on voit qu'on a bien les 2 aiguilles à l'intérieur. Donc ça, c'est nickel. Et puis on a les fils. Mais regardez-moi la beauté de ces fils, comme c'est trop beau. Voilà, on aura 10 couleurs au total, mais franchement trop beau quoi. Trop beau. Et donc c'est une 28 sur 38 cm que je disais avant. Je pense avec les bords inclus, hein, mais franchement, voilà, c'est un petit projet quand on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Ça peut être sympa. Et donc maintenant, on va passer au prix du petit projet Point de Croix. Normalement, il était au prix de 3,25 € sur Shine. Et moi, je l'ai eu au prix de 2,19 € en profitant encore une fois, bien sûr, de la réduction. Franchement, je suis hyper contente de tous mes achats. Sur ma commande au total, bon, après j'avais des vêtements aussi dedans, donc ouais, je devais avoir 4 vêtements en plus de ma commande, mais sur ma commande au total, j'ai eu pour 23 € de réduction, alors que les prix sont déjà plus que raisonnables sur Shein. Et puis moi, vu que je suis abonnée à Shein, c'est-à-dire que bah, je reçois à chaque fois qu'il y a des réductions ou quoi, je reçois les notifications, et puis c'est comme ça que j'ai pu m'apercevoir de la grosse promo dont j'ai profité. Et puis à savoir aussi que vous avez la livraison gratuite à partir de 39 € d'achat, tout simplement. Voilà, cet unboxing est maintenant terminé pour moi. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!